Salut les amis, alors, petite astuce aujourd'hui pour vider une bobine de moulinet, faut pas se faire chier. On va faire ça à la perceuse. Donc, on prend une longue vis, voilà, je mets un boulon avec une rondelle. Je mets une bobine vide. Voilà, j'ai déjà commencé à mettre le fil. Prenez une bobine vide, vous la mettez. Après, une rondelle de nouveau. Un boulon. Voilà, maintenant je serre bien, voilà la serrée, et ensuite ben, cette partie je vais mettre dans la perceuse, et juste là je mets dedans, j'ouvre un peu, voilà, je mets dedans, je ferme. Maintenant, tout doucement. Voilà, maintenant je suis bon. Là, on est vide. Tout est là-dessus. J'ai vidé, je sais même plus la bobine combien c'était. Je crois que c'était 200 ou 300 mètres. Je viens de vider 200-300 mètres en une minute. Et tout est dessus là. Voilà. Juste à enlever, sortir la bobine et c'est réglé. Voilà, moi ça m'a aidé déjà parce que quand j'en avais une ou deux à enlever, ça allait. Mais la dernière fois, j'avais changé les trois bobines sur mes cannes à carpe. Donc il fallait que je retire tout le fil et mettre le nouveau. Je me suis dit, si j'enlève ça à la main, mais je n'ai pas terminé quoi. Après, je me suis dit, putain, la perceuse. Je cherche la perceuse, je l'ai fait nickel. Voilà, j'espère que ça vous aidera les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!